Le rencard est gâché, la romance a disparu. Et le mec de tes rêves n'a rien à voir avec le prince charmant. Tes attentes devaient être trop élevées. Découvre la nouvelle vidéo de Wouhou sur les attentes par rapport à la réalité dans les relations amoureuses. Une araignée est venue nous rendre visite. Mon chéri, fais quelque chose, vite! L'araignée est exterminée. T'es mon héros! En vrai, mon petit ami est en fait un énorme arachnophobe. Oh, une araignée! Je vais te sauver, chérie! On va aller au cinéma et s'asseoir au tout dernier rang. Tu sais, c'est l'endroit le plus intime et le plus romantique dans une salle de ciné. Chérie, on n'aurait peut-être pas dû inviter ton pote à venir avec nous? Il a gâché notre rendez-vous. Désolée, chérie. Ouh, mon copain m'a appelé pour m'inviter pour le rejoindre dans un bar. J'adore sortir. Je vais me coiffer et me maquiller et porter une superbe robe. Je suis prête pour ce dîner romantique. Ah, c'est exactement comme ça que je rêvais que ce serait. Des fleurs, du champagne et mon propre prince charmant. C'est comme un conte de fées. C'est comme un cauchemar. Qui aurait pu savoir qu'il voulait qu'on soit dans un bar sportif? Et ses amis ont été invités au rencard aussi? Ah, les dieux du foot! Donnez-moi la force de survivre à la deuxième mi-temps! Une lune de miel en croisière à travers le monde entier? Des câlins d'amour en pleine mer, comme dans les films! Regarde mon cœur, un iceberg! C'est tellement romantique! En réalité, le mal de mer gâche toute la romance. Je me sens trop malade. C'est pas comme ça que je m'attendais à passer notre lune de miel. Une étape sérieuse dans toute relation, c'est de prendre un chien ensemble. Oh, regarde le petit bébé doux et poilu. Voici le nouveau membre de notre famille, notre propre chiot. On va t'aimer pour toujours. En réalité, avoir un chien a été la pire décision qu'on ait jamais prise. C'est un petit démon velu! T'as ruiné toute la maison! Chérie, tu vois ce qui se passe? C'est le mal incarné, c'est pas un chiot! Je viens juste de finir de tout installer. Est-ce qu'on peut rendre le chien et récupérer notre argent? Un rencard à la maison? Ce jeune homme est prêt? Un dîner aux chandelles? Des pétales de rose? Du champagne? Et un appartement qui sent le romantisme? En réalité, hein? Un rencard à la maison, ça veut dire un appart rempli de chaussettes éparpillées. Berk, c'est quoi ça? Hey, elles sont propres, celles-là! C'est quoi ton problème? Le mieux quand on est en couple, c'est de se faire des câlins en dormant. On est tellement à l'aise là, au chaud! Fais de beaux rêves, chérie! Le pire dans une relation, c'est de se battre pour la couverture toute la nuit. Mon précieux! Non, c'est la mienne! Va sur le canap!
je prends la couverture. Mon mec veut pas faire le ménage, alors il fait semblant d'être malade. Ah, j'ai compris. Oh. Il doit s'attendre à une visite personnelle d'une infirmière super canon. Patient, montrez-moi où ça fait mal. Je sais ce qu'il vous faut. Un vrai baiser d'amour. En réalité, ce dont il a réellement besoin, c'est de la visite d'un vrai médecin. Oh non, à l'aide! S'il te plaît, détends-toi! Bouge pas ou tu vas empirer les choses! Jouer à des jeux ensemble, c'est un excellent moyen de créer des liens. Il lui apprend avec amour à jouer au basket. Le ballon est passé à travers le filet. Et l'amour a traversé nos cœurs. En vrai, le basket, c'est un jeu super agressif. Et mon copain, c'est mon adversaire. Reste pas là comme ça, attrape! Allez, frappe dedans! Ow! Dans le mille! Une promenade en bord de mer, quelle bonne idée! On peut nourrir les mouettes ensemble! Comme c'est romantique! Oh, regarde-les attraper nos miettes de pain! En réalité, ma copine a fini par avoir encore plus faim que les mouettes! Mmm, du pain frais! Hé, hey, t'as pas du fromage ou du jambon? Désolée les mouettes, mais ma meuf a mangé votre déj. Tout le monde adore recevoir un bon massage romantique. C'est tellement agréable et relaxant. Laisse-moi te détendre, chérie. En réalité, ma copine s'emporte un peu trop. C'est même pas une kiné agréée. Que quelqu'un appelle une ambulance! Faire un tour dans une grande roue, c'est une excellente idée pour un rencard. Tu peux prendre de superbes photos et profiter de la vue. Mais en réalité, mon mec a le vertige. On va tomber et on va tous mourir! Allez, mon chéri, une photo! Allez, détends-toi! Si on meurt, on mourra ensemble. C'est pas trop romantique, ça? Mon copain a une surprise pour moi. Oh, c'est le nouvel iPhone! Pour moi? Chérie, t'es le meilleur! Thank you. Mon copain a une surprise pour moi. Ouh, c'est ma palette de fer à paupières. Elle est cassée. Ça, tu vas le regretter. Une douce brise. Et mon copain dégage tendrement une mèche de cheveux de mon visage. Il est tellement attentionné. En vrai, mon petit ami est encore plus attentionné que ça. Ouh, un bouton! Ça te dérange pas, hein? Et voilà! Il a eu une vie courte, mais intense. Je crois que je devrais aller me rincer le visage. Ce mec a passé toute la journée à choisir le plus beau bouquet.
Sa meuf va être trop contente. Comment il aurait pu deviner qu'elle était allergique aux fleurs? Allez, on va finir ce rendez-vous à l'hosto. T'as aimé nos sketchs sur les relations amoureuses? Alors dis-nous dans tes commentaires en quoi tes attentes sont différentes de la réalité. Et toi, abonne-toi à notre chaîne, like cette vidéo et clique sur la cloche. Ne manque surtout pas de nouvelles vidéos romantiques hilarantes sur Woohoo!